Née d'une famille de commerçants dont un grand-père boucher et triquier, elle obtient une licence d'histoire-géographie. Elle entame sa carrière audiovisuelle en devenant script pour les émissions de Marie-Cy et Gilbert Carpentier. Présentatrice en Guadeloupe et assistante de production à l'Office de radiodiffusion télévision française, mais à la suite du démantèlement de l'ORTF, elle commence sa carrière culinaire et ouvre son premier restaurant composé d'un bar et deux tables en 1978 non loin des Folies Bergères. Elle ouvre ensuite la plage des Palmiers à Saint-Tropez où elle ne restera que moins d'un an. Puis le jardin des Gourmets et le jardinier à Gosier. Le Clos d'Arbeau et la petite Romerie à Basse-Terre en Guadeloupe. Babette de Rosière-Vence et quatre restaurants guadeloupéens pour ouvrir la Villa Créole à Paris. Ainsi que la Table de Babette en 1993 à Poissy dans les Yvelines qu'elle vante en 2005 à la suite d'un incendie. En même temps, elle anime des émissions culinaires dont Les Petits Secrets de Babette pour France 3 en 1990. Des chroniques avec Sophie Davant dans l'émission 7 au programme et Télématin sur France 2. C'est mieux le matin sur France 3. Et pendant 3 ans la cuisine de Babette sur Gourmet TV. La chaîne de Joël Robuchon. En 2005, elle rachète le Jamin, restaurant créé par Joël Robuchon. Puis le revend en 2009. Elle ouvre un restaurant à Paris sous le même nom que celui de Poissy et a pour projet de franchiser la Table de Babette à Dubaï, Las Vegas et Tanger. Depuis 2009, en alternance avec d'autres cuisinières et cuisiniers, Julie Andrieux, Luana Belmondo, Abdel Alaoui, ou Christian Duplessis, elle prépare le dîner de l'émission de France 5. C'est à vous. Depuis 2005, elle anime son émission Les Petits Plats de Babette tous les jours sur France O. Elle prépare, depuis fin 2009, la production d'une émission hebdomadaire Le Babette Show. En 2011, elle ouvre le restaurant La Case de Babette à Maule, Yvelines, à la fin de l'année 2015, alors que deux anciens salariés font appel au prud'homme contre le restaurant. Babette de Rosière se défend de n'être ni la propriétaire, ni la gérante, ni une salariée, et de seulement prêter son image au restaurant. Lors des élections municipales de 2014 à Paris, elle soutient la candidate PS Anne Hidalgo et lors de l'élection régionale de 2015 en Île-de-France, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse. Elle figure sur la liste de cette dernière, à la 5e place dans le département des Yvelines. Elle est alors élue conseillère régionale et devient également déléguée spéciale de la région à la Cité de la Gastronomie. En 2016, elle anime à l'aide Babette, une émission culinaire sur France O. Elle est investie par les Républicains le 21 juin 2016 pour les élections législatives de 2017 dans la 17e circonscription de Paris.